Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Clémentine Autin. Bonjour. Apolline vous êtes de députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. C'est le jour J des retraites. On va en parler euh, évidemment, la position de la France Insoumise. Mais je voudrais d'abord euh, vous faire écouter ce témoignage. Noël Legrette, on le sait, euh, doit aujourd'hui euh, se soumettre à des auditions sur la gestion de la Fédération euh, française de football. Et Sonia euh, Souïd, qui est agente de joueurs, a témoigné sur BFM TV et RMC au micro de Sonia Carniro. Voilà. Voilà ce qu'elle raconte. Lors de ce rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, euh, mes idées euh, se concrétiseraient. Euh. En tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour, pour m'aider dans ce sens. Excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme euh, deux seins et un cul en fait. J'ai été déçue par, euh, par mon président. Pour moi, mon président, il doit être, euh, excusez-moi, mais exemplaire et il l'a pas été. Ça fait toujours très mal, ça m'a vraiment blessée euh, au plus profond de mon être. Ce témoignage, il a été entendu aussi par la ministre des Sports, qui dit :« Nous serons à la hauteur Noël Legrette, ». Noël Le peut-il rester À l'évidence, non. À l'évidence, non. Euh, C'est un, un président qui, euh, voilà, on le voit là avec ce témoignage, euh, a commis euh, euh, des violences sexistes et sexuelles. C'est un, un président qui, par ailleurs, euh, euh, a posé un certain nombre de problèmes en termes euh, de management, puisqu'on sait qu'il y a eu. Euh, voilà, des charrettes qui ont été faites à la FFF qui sont très discutables. Et puis, on a vu ses propos sur Sidane. Donc, je pense qu'en raison de son comportement, et puis aussi sans doute d'un homme qui a fait son temps, il faut que cela cesse. Voilà. C'est la fin d'un monde. Sans doute, sans doute que c'est la fin d'un monde, mais enfin, euh, il tarde à mourir, hein, si je puis me permettre, parce que c'est vrai dans le sport, mais c'est vrai parfois aussi ailleurs. Donc il faut, euh, il faut en effet euh, donner l'exemple et, et, et taper du poing sur la table. Vous savez, euh, euh, la France, l'État français a les moyens aussi d'intervenir, parce qu'à la fois ce n'est pas euh, le gouvernement qui décide du président, mais avec le nombre de contrats qui existent et qui lient, l'État français à la FFF, en réalité, il y a des moyens de pression. Et je pense que c'est le rôle, en effet, du gouvernement que de mettre la pression, parce que c'est voilà, un sport très populaire, très important sur le plan économique. Et donc, on ne peut pas se permettre euh, d'avoir de tels symboles euh, qui sont assez délétères pour... Euh, voilà, pour, pour, pour Noël les, Le Grec, donc, pour les, partir, valeurs, il pour les valeurs de la France et pour euh, un certain nombre de principes. Auquel je tiens. On, on reviendra sur ces, sur ces questions plus largement en politique, mais euh, évidemment, je voudrais qu'on parle des retraites, parce que c'est aujourd'hui le jour J. Elisabeth Borne qui dévoilera tout à l'heure à 17h30 officiellement les contours de cette réforme. Enfin, on en a déjà euh, l'essentiel. 64 ans, 43 années d'annuité pour vous, c'est non. Ah, c'est non. Mais vraiment non. Et je constate que le gouvernement s'est enfermé dans un, un monologue social. C'est-à-dire qu'il n'a absolument écouté personne et qu'il est prêt à avancer fortement en piétinant le point de vue de la majorité des Français, puisque encore une enquête d'opinion hier montrait que 85% des Français sont opposés à tout report de l'âge de départ à la retraite. Et on les comprend parce que c'est insupportable de travailler plus longtemps. Pauline de Malherbe, alors c'est vrai que quand vous avez un métier qui est un métier qui est peu usant, Hein, notamment physiquement on peut durer un peu plus longtemps mais quand vous faites des métiers pénibles et les métiers pénibles ce n'est pas simplement ceux qui sont répertoriés comme métiers pénibles étant entendu que par ailleurs la Macronie a diminué le champ de la pénibilité euh, Il y a quatre reconnu... critères voilà. pas seulement la Macronie, hein, c'était sous François Hollande oh bah en réalité, euh, Quatre critères de pénibilité dire, sur 10 qui ont été abandonnés Je veux hein. dire sur les retraites il n'y a pas que la Macronie hein. on sait que les réformes euh, depuis les années 90 qui se sont succédées n'ont fait qu'aggraver en fait, hein, notre, notre régime et notre système. Donc là, on a un gouvernement qui veut passer en force, qui n'a pas de majorité dans le pays, qui euh, n'a pas réussi le dialogue avec les partis. Il n'a pas de majorité, bon. Non Non, mais à chaque fois, vous dites ça, c'est pas complètement vrai, c'est pas 100% faux, mais ils n'ont pas, pas la majorité absolue, mais c'est quand même le groupe majoritaire dans l'Assemblée. Il n'a pas de majorité, et d'ailleurs, c'est grâce à LR euh, qu'il pourrait faire passer sa contre-réforme. Et j'insiste sur le mot contre-réforme, parce que le mot réforme, voyez-vous, c'est améliorer euh, les conditions d'existence, c'est changer quelque Donc chose d'un point vous de vue positif. Pas que ça s'appelle réforme en l'occurrence. C'est une régression. C'est simple, c'est une grande régression. Et elle a un objectif. Parce que pourquoi le gouvernement s'en tête Le gouvernement s'en tête parce qu'il veut atteindre les 3%, cette espèce d'objectif euh, totalement comptable, technocratique, inventé sur un coin à Bruxelles, enfin, d'ici à 2027. Il complètement dépassé, hein, ce 3%. Oui, mais sauf qu'il l'a en tête aujourd'hui mmh. le gouvernement, et il veut l'atteindre d'ici à 2027 pour être le bon élève euh, de l'Union européenne et par rapport à ses propres objectifs. Et comme il a donné un pognon de dingue aux grands groupes économiques, aux hyper riches, toute la précédente euh, législature, eh bien maintenant, il faut faire payer les premiers de corvée. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que nous allons payer, et en particulier les plus modestes, et en particulier les ouvriers, les plus pauvres, les employés qui ont des métiers pénibles. Ce vous, sont vous eux qui vont payer. Ce sont ceux qui ont commencé le plus tôt vous, vous, à travailler vous qui vont payer la sur Le fait qu'il y en a pour qui ça va être particulièrement oui, douloureux bien sûr. mais vous avez quand même laissé entendre vous avez dit bon quand on a un travail pas trop pénible, on peut travailler plus longtemps. Est-ce que et vous auriez pu envisager euh, de, de distinguer davantage entre des professions, je dirais col blanc col bleu pour reprendre des appellations sociologues anciennes et dire bah voilà, ceux qui sont cadres euh, qui gagnent euh, bien leur vie, qui ont des travaux moins pénibles, ben bah, eux on pourrait même les faire travailler plus longtemps pour eux non, je ne suis pas du tout d'accord avec non. ça parce qu'on peut choisir de travailler plus longtemps. On n'empêche pas. Voilà, on a possibilité quand même de tirer dans ce pays. Aujourd'hui, l'âge légal est de 62 ans. D'abord, la réalité n'est pas 62 ans parce que le problème, euh, c'est aussi celui des trimestres. Et j'appelle tout le monde à faire très attention aux annonces ce soir sur cet enjeu des trimestres. Parce que le gouvernement, avec son accord avec LR, avec Éric Ciotti, euh, peut proposer 64 ans et non pas 65 ans et donner l'impression aux Français que ah c'est pas si pire d'une certaine manière, sauf qu'il peut tout à fait faire 64 ans en accélérant ce qu'on appelle la loi Touraine, et c'est-à-dire au final en faisant peser sur les retraités. Euh, la même somme, c'est-à-dire les 20 milliards qu'il cherchent à trouver. Est ce pour que vous 2027. voulez dire là, c'est que euh, il pourrait allonger le nombre de trimestres à devoir euh, cotiser. Exactement. Euh, la première ministre a promis qu'il n'y aurait pas plus de 43 années de cotisation. Oui, alors nous on se bat pour 40 annuités déjà. Faut être très clair et pas 43 euh, avec euh, les 60 ans. Quand je dis nous là, pour le coup, c'est la votre, France de Votre réforme à vous. Alors j'allais dire contre réforme. Mais enfin, j'ai compris là, que ce quoi le, le mot sommes... vous ne conviendrait pas, mais enfin non. votre réforme à vous, ce serait 60 ans. 48 40 40 maximum et vous savez que 60 ans euh, et là encore là encore une enquête d'opinion vient de le montrer c'était la une de, du journal politis 68 des Français sont favorables à la retraite à 60 ans. Vous voyez donc on est en phase avec une ça, majorité des Français. ça. Clémentine Dent en même temps on a quand même envie de dire que évidemment si vous posez la question aux gens de travailler moins longtemps tout le monde est pour. Ensuite il y a la question aussi d'être élu, c'est-à-dire que l'argument politique d'Emmanuel Macron c'est de dire je prends pas les gens à revers, j'avais dit que j'allais réformer les retraites, que j'allais la réformer même à 65 ans, voilà ce qu'il avait dit dans les, euh, dans les semaines de campagne, et qu'il a été élu. C'est faux. Il a été élu. Ben, il a été élu. Mm, oui, il a été élu, mais tout le monde le sait, dans un second tour, où ce qui a été le moteur le plus important, c'est de battre Marine Le Pen, c'est d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, lui-même l'avait dit, euh, le soir de sa victoire, il avait pris la parole et avait dit, j'ai conscience que je n'ai pas été élu euh, 100% sur mon projet. J'ai d'abord été élu pour éviter une menace de démocratie. Mais je suis quand même toujours surprise, Clémentine Autain, que vous remettiez en cause la légitimité du président de la République. C'est une élection démocratique. Vous pouvez je... dire que ce n'est pas les bons arguments, que ce n'est pas pour les bonnes raisons. Enfin, il a été élu quand même. Oui, il est élu, il est président de la République, mais il doit euh, composer avec la réalité. Il est élu du peuple mais français. C'est en fait, ça que vous dites. Bien sûr, bien sûr. Il est élu, il doit composer avec la réalité des Français, et j'estime que quand on fait une réforme avec plus de deux Français, deux, pardon, de deux Français sur trois, voilà, euh, qui est opposé. À cette réforme, ça pose un problème démocratique. Vous êtes d'accord avec moi que ça pose un problème démocratique non, la question, la question démocratique. Vous trouvez normal d'avancer La question démocratique, à... c'est quand même qu'à un moment, vous étiez vous-même dans la bataille euh, des présidentielles, enfin, je dire, Jean-Luc Mélenchon, euh, en l'occurrence, pour votre camp, et qu'il n'a pas été élu. On peut refaire l'élection tout le temps, on peut refaire les matchs, on peut dire, bah, c'est dégueulasse parce qu'il y a eu corner ou il n'y a pas eu pénot. Mais enfin, à un moment, il faut accepter le score. Non, à un moment donné, il faut gouverner en essayant d'être d'accord avec ce que pensent les Français. Ça, pour moi, c'est la règle de base de la démocratie. Voilà. Mais et le, mais et le la démocratie, la... à un moment, vous pouvez pas la non, rejouer sûr, tous les bien jours. Bien sûr que non. La démocratie, c'est pas le temps d'une élection et puis après c'est terminé. La démocratie, elle doit vivre entre mais deux les élections. Français, et le président, pas là... et le président, de président de la République, certes, mais euh, le, le, le président de la République doit aussi estimer ce que le peuple est capable d'acquiescer, de vouloir ou de ne pas vouloir. Et surtout, les arguments, je vais vous dire, me mettent très en colère. Parce que ce qu'on entend, c'est le système courait à sa perte. C'est faux. Faux et refaux. Non seulement le Corps, hein, qui est un institut qui n'est pas une officine gauchiste, euh, a expliqué euh, en long, en large et en travers que. Le système n'était pas en péril. Il n'est pas en péril et il n'est pas aujourd'hui en déficit. Au contraire, même, il est bénéficiaire, mais ils estiment que d'ici deux ans, il y aura un déficit de 12 milliards d'euros. Alors, euros. 12 milliards, c'est quoi 12 milliards sur 340 milliards de prestations retraites données chaque année C'est rien. C'est quoi 12 milliards comparé aux 80 milliards Un record, Un record, hein, un record, hein euh, de euh, ce qui a été reversé aux entreprises du CAC 40 je parle là euh, de dividendes ou de rachat d'actions 80 milliards vous prenez tout simplement 12% de ces 80 milliards et vous avez réglé le problème des retraites. Vous voulez euh, également euh, d'autres solutions Moi, je vous donne un autre rapport, parce qu'il faut se rendre compte des choses. Oui, euh, le gouvernement, lui, euh, a décidé de donner euh, des milliards et des milliards par le biais autrefois du CICE, par le biais d'exonérations euh, de cotisation, d'exonérations euh, diverses et variées, d'ailleurs, ou de soutien sans contrepartie. Aux grands groupes économiques et aux hyper riches. On se souvient de la suppression de l'ISF, c'était pourtant plus de 3 milliards. On sait aussi qu'avec la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée que le gouvernement euh, a décidé euh, euh, d'enlever, c'est une question, en d fait, en fait, une question 8 de priorité. C'est une question de savoir qui paye. Qui paye Qui ont fait payer les choix économiques du gouvernement Voilà. Est-ce qu'on continue euh, de, de laisser euh, fructifier euh, les profits et de faire en sorte que la valeur ajoutée n'aille pas au travail mais qu'elle aille au capital ou est ce qu'on décide enfin qu'on a de la justice fiscale et qu'avec cette justice fiscale on est capable de faire tenir Clément sans Toulotin. aucune difficulté notre aussi régime la question de, de retraite. la mobilisation et de la manière dont vous allez combattre cette réforme vous allez la combattre dans l'hémicycle vous avez déjà annoncé euh, qu'il y aurait des motions de censure vous avez votre propre contre projet euh, sur les, les réformes des retraites est ce que vous irez dans la rue également? Évidemment qu'on ira dans la rue. Et j'attends euh, avec impatience, je dois le dire, tout en me félicitant de cette unité syndicale qui est très très précieuse, la date qui sera posée probablement demain par les syndicats. Peut-être de dès mobilisation ce soir, ils évoquent, la date du 19, du 24. Vous-même de votre côté, vous allez Leur aviez... date sera la nôtre. Leur date sera la nôtre. Cette unité syndicale est très précieuse et j'appelle celles et ceux qui nous écoutent à... Euh, je sais que ce n'est pas toujours facile de poser une date de grève, de faire la grève, de perdre un, un jour de salaire. Mais je suis convaincue que l'enjeu en vaut la chandelle et que si nous sommes suffisamment nombreux dans la rue, alors nous pouvons faire, le, nous pouvons faire en sorte que le gouvernement recule. Ça a déjà été le cas dans l'histoire. C'est le moyen, le nombre que nous représenterons dans la mobilisation, dans les manifestations. C'est ça la clé pour faire reculer le gouvernement. Donc, leur date sera la vôtre. Je précise que plusieurs dates sont évoquées à ce stade, mais ça sera décidé ce soir euh, par les organisations syndicales qui pourraient, dès le 19, appeler à une mobilisation, ou alors le 24. Entre-temps, du côté de la France Insoumise, vous aviez évoqué le 21. Oui, il y a euh, aussi le 20, mobilisation le 21. Donc, vous allez multiplier les dates ou est-ce mmh. que vous allez euh, abandonner les autres dates pour vous concentrer exclusivement et pleinement sur les dates choisies par les organisations syndicales. Le plus important sera la date... Pour ne pas se disperser. Le plus important, le moment qui peut fédérer le plus dans le pays, ce sera la date proposée par les organisations syndicales. Les mouvements de jeunesse, avec notamment la France Insoumise, ont décidé de manifester un dimanche le 21. Voilà, il faut que tout ça indique une montée en puissance. Par ailleurs, il faut l'unité politique. À gauche, euh, et je me félicite que la Nupes parte en ordre, euh, vraiment rassemblé. Il y a ce soir euh, un premier meeting. Vous le savez peut-être à Paris. Vous il y en allez tenir un certain nombre de réunions publiques, avec voilà. à la fois des membres de la France et Insoumise, partout, du Parti Socialiste, et du Parti Communiste. En France, voilà, nous allons, euh, nous allons faire euh, des meetings, et aussi, il euh, euh, y a tout un travail euh, euh, des consciences à faire. parce que, quoi que le un gouvernement... travail des consciences bah vous, vous entendez hein, le gouvernement qui rabâche sans arrêt euh, soit des choses euh, complètement dingues comme euh, parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Alors ça ressemble à une lapalissade. palissade voyez, on se dit tout ça, ah bah oui, c'est évident. Mais bah non, c'est pas évident. Ça, c'est pas le sens du progrès humain. Si on, on raisonne en se disant qu'on euh, veut que nos enfants nos voisins, vivent mieux que nous. Par exemple, les Italiens euh, qui travaillent jusqu'à 67 ans, non. demain jusqu'à 69. Alors ça aussi, ça fait partie des arguments qui sont beaucoup donnés. Euh, D'abord, euh, si les gouvernements voisins euh, ont décidé d'avoir euh, un système de protection qui n'est pas favorable, contrairement au nôtre, historiquement... Je ne vois pas pourquoi on les copierait. On n'est pas obligé de copier nos voisins. Et puis, il faut les regarder dans le détail, ces, deux, ces autres systèmes. Parce que y a, le système de retraite, ce n'est pas simplement un âge de départ légal. C'est aussi... Le nombre d'années de cotisation, les conditions dans lesquelles on part, etc. Donc, quand vous prenez l'ensemble de l'épure, les comparaisons de ne conscience. sont pas tout à fait. Vous dites, on n'est pas tout à fait d'accord le sur les arguments. Je serais que vous écoutiez les arguments hier soir de la euh, première dame euh, Brigitte Macron, qui était l'invitée de TF1 et qui dit que tout simplement, elle est là aussi pour. Enfin, elle est là, que son mari est là pour sauver les retraites. Écoutez, ce que me disent les plus jeunes. Simplement, c'est un point de réflexion, c'est qu'ils me disent, nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que je peux dire. Oui, c'est tout. A... D'abord, pardonnez-moi une remarque, mais... Que fait euh, la première dame de France, comme on l'appelle, euh, à la télévision euh. En l'occurrence, elle était là pour présenter euh, l'opération pièce jaune chez de la Fondation des hôpitaux. J'entends bien, mais je trouve très curieux. Elle, elle ressemble à une vice-présidente. Non, je pense que ce n'est pas son rôle. Elle n'a pas été élue démocratiquement. Et on voit bien qu'à la veille d'un grand rendez-vous qui est l'annonce euh, terrible. De cette réforme par le gouvernement, elle vient, euh, au gros, en gros, sympathiquement, euh, faire passer un message en profitant de sa notoriété et de sa place. Vous je, laissez je... entendre que, que là où elle, elle va, en tout cas officiellement, pour demander Écoutez, euh, euh, de l'aide pour les hôpitaux, pour, pour vous, c'est un... Un prétexte D'abord, demander de l'aide pour les hôpitaux, écoutez, qu'elle en parle à son mari, c'est quand même lui qui est président de la République. L'état de, de, de. Mais c'est catastrophique dans Ce C'est pas les pièces jaunes, c'est pas ça. La, 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 je, je veux dire, la, la, c'est pas la charité qu'on demande, c'est la justice sociale. C'est la justice sociale. Vous voyez, c'est pas du tout la même logique. Et Quand je vous parlais des 80 milliards tout à l'heure, 80 milliards empochés par les entreprises du CAC 40 qui sont redistribués en dividendes. Vous aillent voir les patrons du CAC il, 40 Il faut très peu. Vous voyez, vous parliez de 12 milliards pour les retraites sur 80 milliards. Mais ce n'est pas grand-chose. Donc, c'est tout à fait possible de trouver ce qui manque, c'est-à-dire c'est très peu. Donc, faire croire qu'on sauve le système en nous faisant travailler plus longtemps, est tout simplement un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire C'est un mensonge. Ils peuvent le répéter à nauséam, cela ne changera pas la réalité. C'est faux de dire que le système court à sa perte. C'est très facile de trouver euh, ce qui manque à un moment donné. Et puis par ailleurs, il faut se méfier des, précisions, des, pré des prévisions. pardon. Euh, le corps... Euh... J'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec... Non, ce n'est les... pas simplement ça. C'est mmh. quand on regarde ce que prévoyait le corps en 2013... Pour l'année 2022, il disait le système courra à sa perte, il y aura 22 milliards de déficit. 22 milliards de déficit. Effectivement, depuis, ils disent il y a eu le Covid. Non, ce pas depuis, c'est que... la, mmh. de, de, mmh. la réalité. On a eu 3 milliards d'excédents C'est la réalité, on a eu 3 milliards d'excédents Donc, nous, nous faire travailler plus longtemps avec des projections qui sont difficiles à anticiper. On n'anticipe pas, par exemple, un changement de politique économique. Si vous changez de politique économique, si vous augmentez les salaires, le SMIC. Donc, si vous faites avancer l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est terminé, il n'y a plus de sujet. En tout cas, l'urgence sur l'équilibre économique n'est pas le bon. Euh, Clémentine Autin, je voudrais qu'on dise un mot de l'Iran euh, parce que vous vous êtes engagée. Je voudrais que vous nous disiez d'ailleurs, euh, que vous nous parliez de cette personne qu'on va voir à l'antenne sur BFM TV. Pour ceux qui nous écoutent, il s'agit euh, d'un jeune homme euh, iranien. Qui est-il Ah vous parlez de mon de votre filleul. Tout à fait. Euh, C'est mon filleul et il a été pendu par euh, le régime iranien euh, samedi. Euh, et j'étais en effet marraine de, de ce jeune homme euh, qui fait partie. Euh, marraine de manière symbolique. Symbolique, hein, tout à bien, fait. Vous avez pris fait. en quelque sorte ce ce rôle. Exactement. J'ai pris ce rôle et je suis, euh, je, je, je dois le dire, assez, assez bouleversée de ce qui s'est passé. Nous avons déjà eu quatre exécutions en fait de personnes qui se battent pour la liberté, qui se battent pour la démocratie, qui osent affronter un régime dictatorial qu'est le régime iranien et ils le payent de leur vie. Alors, Il euh, avait 22 ans. Il avait 22 ans, tout à fait. Il avait 22 ans et, et malheureusement, il n'est pas le seul et d'autres sont menacés. Je veux envoyer un message d'espoir, c'est que d'autres de mes collègues euh, députés en, en France ont euh, parrainé ou marrainé d'autres jeunes qui, eux, ont réussi à obtenir un sursis. Et donc la mobilisation internationale se soutient. D'abord, il est très important pour ceux qui euh, luttent sur place, parce que ça donne de l'espoir et on le sait, euh, c'est toute l'histoire hein, des relations internationales. Où nous savons que quand il y a ce type de mobilisation, on a besoin... D'entendre ces voix fortes qui nous donnent de l'énergie. La France en fait assez et par, ailleurs, et par ailleurs, ça a permis ce sursis. Non, la France n'en fait pas assez. Et j'avais entendu le président de la République, Emmanuel Macron, nous dire qu'il allait falloir prendre des mesures diplomatiques fortes, euh, des paroles fortes. Et puis, et puis quoi je n'ai pas entendu le son de sa voix, euh, alors que euh, ces gens. Jeunes... L'ambassadeur iranien a été. Enfin, d'Iran en France a été. Euh, pla... Excusez-moi. Euh, vous, vous trouvez que c'est à la hauteur J'avais entendu parler euh, de prise d'initiative au sein de, de l'ONU et du Conseil de sécurité. Je ne vois rien venir et je pense qu'en effet, le silence assourdissant côté euh, du, du, du sommet de l'État est un problème. Ch et Charlie, que nous... Hebdo, Charlie Hebdo, qui oui. publie euh, des caricatures et qui a fait un, un concours de caricatures de la l'Ayatollah euh, Khomeini, est-ce que vous soutenez Charlie Hebdo moi, je soutiens la liberté d'expression en règle générale, voilà, après, euh, chacun jugera de l'opportunité, est-ce que ça, ça aide ou pas stratégiquement. Avez mais avez un doute non, mais Vous mon... ne dites pas « je soutiens Charlie Hebdo » Non, je dis que je soutiens la liberté euh, de, 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 bah, de... Vous dites « on en non, fait pas assez il y li... en a qui font... » Non, je, ou je soutiens pleinement... la liberté d'expression, je soutiens, voilà, je soutiens la liberté d'expression. Vous, vous ne diriez pas « je suis Charlie » Bah je l'ai dit, je suis Charlie. Non, mais L'expression, attends, j'ai un sentiment que vous avez un peu du mal à dire. Euh... L'expression, je suis Charlie, elle dit quelque chose mmh. de fort. Mmh. Euh, elle dit, et je l'ai dit. Alors, vraiment, sans embâge, et j'ai ouais. manifesté. Je veux dire que euh, mmh. des journalistes, euh, une rédaction soit euh, décimé par des terroristes pour avoir publié des caricatures. Enfin, écoutez, c'est insupportable, absolument insupportable. Donc, je défends ce droit, voilà, à caricaturer. Ça engage Charlie Charlie Hebdo. n'ai pas participé à euh, la discussion qui a amené à ces une. Voilà, ça fait partie du paysage et la liberté de la presse et le droit de caricaturer euh, dans notre pays. Et j'aimerais à travers le monde doit être en effet. Euh, Clémentine euh, enfin, fait Nottin. partie des libertés. Clémentine, Nottin, député de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir répondu Merci à la question.